Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kinou, il s'agit de la découverte de Immortal Planet. Planète immortelle. Un day in retry apparemment en vue 3D isométrique, je dirais, j'ai envie de dire. Hein, vue de trois quarts vers du haut un peu. Le jeu n'a pas de français, donc il est en anglais, je traduirai quand il y aura des choses à traduire, j'espère qu'il n'y a pas trop de texte. Mais on va voir ce que ça donne. Je veux voir si ça peut être un bon jeu pour les jeux Die and Retry. On va voir ça de suite. Je disparais et je reviens après l'intro. Si tant est qu'il y ait une intro. Alors, sauvegarde. Oui. Ah, il n'y a peut-être pas d'intro en fait. Je reviens temporairement. Peut-être pas d'intro. Alors, qu'est-ce que... On commence... Ok, on choisit l'arme et la relique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, déjà, il y a des trucs à traduire là. Sword spear, a sword whose hilt can violently extend, enabling agile stabbing attacks. Apparemment, c'est une épée qui peut s'étendre, qui peut s'allonger, et permettant de faire des attaques dans le dos. Des vilaines attaques. Assault blade, a blade whose crude form belies its fine mechanical intricacy. In awakening, it floods the body with adrenaline. Apparemment, c'est une épée qui peut pomper de l'adrénaline dans le corps du porteur. Shield axe, c'est un bouclier hache. Shield intended to defend those who cannot defend themselves. Woe to those who awaken its secret rage, a heavy axe of retribution. Un bouclier qui permet de défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Mais quand il se réveille, c'est une grosse hache. Bon, ça se voit. Hein. Voilà, donc il y a trois armes à choisir. Coucou Blacky, comment vas-tu? Je sais pas, je vais prendre la première, elle me paraît pas mal. Je sais pas, remarquez, c'est une lance épée, une épée d'assaut ou une hache bouclier. Lance épée. Allez. Lightfoot. Donc ça, c'est la relique, je sais pas ce que c'est. On en a une, deux, trois. Bah, 3. Lightfoot, the foot of a skilled duelist severed during a sporting duel, frozen but lighter than air, almost like snow. When executing a perfect dodge through an enemy attack, you will regain stamina. C'est apparemment un pied, le pied coupé d'un dueliste compétent qui est gelé, mais plus léger que l'air, presque comme de la neige. Quand on fait une esquive parfaite, si on fait une esquive parfaite, ça va nous rendre de l'endurance. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. J'essaie de me mettre dans l'esprit Dark Souls, je me dis que c'est pas mal. Fatigué sous la couette. Ok, et eh ben bonne nuit alors. J'espère que ton problème commence à se résoudre doucement, que ça va dans une direction. Ça peut pas forcément être la bonne. Iron Spine, an immortal's discarded spinal cord condensed into permafrost. It grants some damage reduction and with perfect timing the ability to deflect incoming blows without effort. C'est une spinal cord, chier, le truc qui a le long du dos là. Qui a été permafrost, donc qui a été gelé de façon permanente. Ça file de la réduction de dégâts et la capacité de réfléchir les dommages sans effort. Yeah, you have very good English. Thank you very much, Loki. I appreciate very much beaucoup le compliment. Merci. Et ensuite, une vertèbre. Non, c'est pas une vertèbre. La colonne vertébrale. Voilà, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. C'est une colonne vertébrale. Bloodshot eyes. The vein-cracked eyes of a madman twirl between the fingers like marbles. By the grave focus, the grand spilling enemy blood closes fresh wounds. Alors, la raison, Loki, pour laquelle je parle en anglais avant, c'est que je comprends mieux pour traduire après, une fois que j'ai lu le truc en anglais. Les yeux d'un fou, les yeux injectés de sang d'un fou. Blablabla. Grand spilling enemy blood. Oh, ça apparemment ça soigne. Apparemment ça soigne. Bah, c'est bien, je vais prendre ça. C'est pas mal. Allez.
There are so those who speak of the icy planet, still more who seek it. Il y a ceux qui parlent de la planète de glace et d'autres qui la recherchent. But none, blah blah blah. None know the truth of the immortal planet. Mais personne ne connaît la vérité de la planète immortelle. Ça va, c'était pas trop long. Ok. Rest, ça veut dire que c'est le bonfire, c'est ça? Non. Level up, rest, change item. Ok, on peut gagner des niveaux, se reposer, changer les objets, changer d'armes. Ok. Oh là là. Ouh, c'est lent. Oh là là. Merci Koima pour le host. Salut les bros. Vous arrivez. Attends, on vient juste de commencer. On était en train de choisir l'arme de départ. On a commencé par un jeu qui s'appelle Immortal Planet. Je vais voir ce que ça donnait. On va faire des découvertes ce soir. Alors là, je vais pas. J'ai cherché pendant longtemps le prochain ninja. Et je me suis dit, bon, on va faire des découvertes. Je fais ça d'habitude. Pourquoi est-ce que je me ferais chier à essayer de trouver le jeu qu'on va faire tout de suite? Donc voilà. Après, on fera, pour ceux que ça intéresse, mon idée c'est de faire Ash of God's Redemption, qui m'a été offert par Koima d'ailleurs. Et puis Rebel Galaxy. Tiens d'ailleurs, est-ce que celui-là il m'a été offert par Koima? Je pense pas. Non, je crois que je l'ai acheté celui-là. Ou je l'ai eu en. Je sais plus. Enfin bref. Voilà, donc vous savez le programme. Donc ça c'est apparemment un Day in Retry. On peut taper comme ça. On a l'endurance en barre jaune. Un peu dash comme ça. Je vais mettre un peu plus fort. Voilà. C'est mieux. Attaque avec X. Oh! Ah, j'ai plus d'enduit, ok, d'accord. Valen Wake Walker, armed with a sword and an iron wheel, but it seems that it is all that I have left. Ok, moi je vais pas. On va pas se faire chier, pas me faire chier à tout traduire. Hein. Sinon, c'est des trucs de lore. Je traduirai avec les trucs importants. Apparemment, quand on les tue, ils se font geler, c'est marrant. Activé. J'aime beaucoup les graphismes. Ouais, Ash of Gods, qui fait très penser à Banner Saga. Je pense que c'est le même dev, mais apparemment non. Ah. Lequel était prévu? Ash of Gods, t'as prévu de le faire? Bah tu vas peut-être le faire au final, parce que je vais peut-être pas... Je vais peut-être pas être motivé pour le faire, on verra. All day to run. Ah, ok, d'accord. Ça me bouffe de l'enduit, d'accord, logique. Jusqu'ici, hein. J'aime beaucoup les graphismes. Le perso est un peu rigide, effectivement. Je crois que Pomme m'avait dit ça tout à l'heure. Un bloc avec Y, ok. Ok. Qu'est-ce que ça fait ça? Ok, ça fait rien pour l'instant. J'hésite depuis un moment et je pense faire plutôt la suite de Banner Saga. D'accord, ouais, mon Banner Saga, je le ferai pas en live, hein, ça c'est clair. Et j'ai peur que Ash of God. Ça dépend. S'il y a autant de chat, enfin de texte, de pause entre les fights que Banner Saga, il faudra que les textes soient super intéressants, quoi. Si l'histoire est pas prenante et ou me parle pas, je vais pas aimer quoi. A pistol that was never meant to be used in combat, reloading require complete disassembly of the gun. Ah, j'ai chopé un flingue apparemment. Oh. Ok. Oh. Ah mais. Je peux pas bouger. Aïe. Je peux plus recharger en fait, je peux plus tirer. And a worker was claiming makeshift rifle and used with the... Ok, d'accord. Ok, ça nous dit, en fait ça décrit les personnages qu'on vient de taper, qu'on vient de tuer en fait. C'est un... Ah, je peux pas savoir ce que c'est, on verra, on verra, on verra. On verra. Il a l'air graphiquement de ressembler et d'être à peu près pareil, mais vu que c'est pas les mêmes devs, ça me paraît bizarre que ça soit exactement pareil. Ok.
Niki Lalou, c'est... Pick up. To inject a containing immortal blood that can heal the body. Ok, ça c'est du soin. Et je fais... ça pour me soigner. C'est pas pareil. J'arrête. T'inquiète, Koima. Hold to wake weapon. Ok. Maintenir pour réveiller l'arme. Ok. C'est ça que t'appelles réveiller l'arme, c'est pas mal. Ah! Tu vas où? Ah! Il croyait que j'étais pas, que j'étais là-bas en fait, c'est ça. Ah! Ok. Fais gaffe quand même, sinon je te spoil le 00. Mais d'ailleurs, ce jeu-là, moi, faut que j'y joue, mais tout seul en fait. Faut que j'y joue hors stream. Donc là, j'ai chargé mon épée. D'accord, ok. Waouh, il fait mal ce con. Il fait mal. Ah, oh, c'est à l'envers, dit. C'est marrant. Okay. Non, c'est vrai que c'est un peu. Vous le voyez d'ailleurs dans les déplacements du perso. Il y a 6 directions, quoi. C'est pas ultra fluide en fait. Mais c'est pas nul. Basic Bunny Valor Spell, the Psycho Conjure Arcing Energy. Apparemment, ça m'a filé un sort d'électricité avec LB. Oh putain! Foiré, va. Je peux bloquer un tir? Merde, je peux pas. Pourquoi elle qui a stream? Parce qu'il est trop long et que. Et que ça m'intéresse pas de streamer ça. Surtout que tu le fais, du coup, tu vois. C'est encore mieux comme ça. Et puis, de toute façon, il faut que je choisisse des jeux, hein. Je peux pas tous les faire. Il y a des jeux qu'il faut pas que je fasse. Enfin, il y a des jeux que je veux faire, mais. Je vais les faire d'une façon différente, quoi. C'est tout. Ça me vire quoi? Ah oh! Ah ouais, ça. Je peux plus là. Il est mort, lui. Ok. Ça c'est quoi ça? J'ai plus de life. Ah, je peux me soigner aussi. Ah non, je peux pas. J'ai plus de popo, je crois. C'est quoi ça? Pick up. Injector containing. Oh, oui. Hein? Okay. Ah merde, c'est là. Je me suis trompé en fait. Je me suis trompé de touche. J'ai déjà dit, j'aime beaucoup ce jeu, par contre je trouve des défauts qui m'ont saoulé. Ouais non, je suis mute. Ma vie monte pas. Non, j'arrivais pas à me soigner en fait, là c'est bon. Putain, faut que je me barre avant de plus avoir d'endu en fait. C'est chaud en fait. Okay. Faut que je pense à parer aussi. J'aime pas la façon dont les touches sont disposées par contre. Aïe! Activate! Ok. C'est un raccourci. Je peux pas me soigner.
je peux pas poule. Je peux rien faire. Mais ouais, voilà. Donc en fait, c'est juste ça. En fait, c'est pas un jeu que j'ai pas envie de faire. C'est juste qu'il faut que je fasse des choix. Il y a des jeux que je, voilà, je vais pas le stream. Je vais y jouer de mon côté. C'est comme Red Dead Redemption 2, par exemple. J'ai adoré, mais ça m'a pris 6 mois à jouer entre une demi-heure et une heure par jour, quoi. Donc bon, dans le dos, ouais, mais je sais pas. Enfin, j'ai pas de vie, quoi. Donc bon. Apparemment ça marche, l'autre il m'a pas vu quoi. Ah, je peux faire Wow. Mm-hmm. C'est une popo. Popo, sonne-toi, voilà. Salut, look me. Level up at your cryopad. Je veux bien. Donc si je vais à mon cry... oh là là. Magnifique. Il est où mon cryopad? Il est là. Ok. Donc je reste. Je level up. Donc c'est ça en fait, c'est du Dark Souls en fait, on a récupéré des âmes, enfin des experiences, et là ça me coûte un point, enfin ça me coûte 100 pour monter un point quelque part quoi en fait. Ok. Ah bah on va monter la force dis donc. Et puis l'endurance dis donc. Et puis l'endurance encore. Puis l'endurance encore. Allez un peu de force, puis encore de l'endurance, allez un de l'endurance, non de la force, non ça suffit alors. Tac. Change items. Ok. Merci. Merci. J'ai récupéré mes popos, j'espère. Je conseille le jeu Outer Wilds Elkino. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Je connais pas. Je connais pas trop en fait. Lui. Fleur va. Eh, les trucs ils me vont dessus hein. Et pourquoi je récupère pas les... Ok, je croyais... Ok. Oh putain, faut pas tomber dans le vide non plus, ça serait bien en fait. Je peux courir? Ouais, je peux courir. Ok. Il y a quoi par là? Ah d'accord, je récupère les popos comme ça, ok. À chaque... En fait on les a pas de base les popos en fait, c'est ça. Hein. Vilain jeu. Hein. Viens là toi. C'est un roguelike? Non, c'est un Souls-like, apparemment. Enfin, oui, quelque part, Dark Souls, c'est aussi un roguelike, hein, on peut le voir comme ça. Aïe! Mais aïe, j'ai dit, arrête! J'ai quelques images sur Steam, sont moches et nuls. Outer Wilds, ouais. Aussi moche que Sky, lol. J'ai trouvé ton commentaire d'ailleurs sur Discord ultra constructif. Oh mon dieu, Koima, mais non, mais ça va pas, mais arrête. Pomi demande si le perso est pas trop rigide, si il a un balai dans le cul le perso, ce que j'expliquais tout à l'heure. Attends, déjà, chaque chose en son temps. Koima, tu abuses. C'est le jeu dont on parlait l'autre jour. Il me disait, hé, ce jeu-là, il n'y a que des boss. Eh ben voilà. Bon, ben, ça y est. Merci, Koima.
tu franchement non mais enfin tu sais sinon tu peux demander au Pôle emploi de me verser une partie de ton de ton chômage. Comme ça ce sera fait, tu vois. Merci énormément Koïma. Enfin de nous verser, j'ai envie de dire. Parce que c'est aussi les Kinous qui vont voir ce jeu que je vais mettre directement dans la catégorie déjà découverte forcément, mais aussi dans la catégorie to stream. Et on va le faire après. Est-ce que peut-être après Surge, après Serge, c'est un DS pour les seniors. C'est ça. Donc alors si il est rigide, il est rigide le personnage, il est lent. Alors on peut courir 7, certes. Le truc qui est chiant, c'est qu'il bouge que dans les 6 directions en fait. On dirait pas comme ça, mais enfin je veux dire, il se tourne dans les 4 directions uniquement. Vous voyez, il y a 4 sprites en fait. Mais par contre, pour se déplacer, du coup, c'est bizarre un peu. Wow, ok. Moi aussi, je peux te taper. Je peux tirer. J'étais sous le choc pour Sky, je m'attendais à un jeu graphiquement comme Rime, mais là ça m'a fait mal aux yeux, c'est flou. Ouais, mais c'est gratuit. Ouais, c'est un jeu qui est gratos. C'est un jeu que tu peux faire en multi sur la Switch sans avoir l'abonnement Switch Online. Je sais pas comment c'est sur PlayStation. Mais. Et je doute que ça soit vraiment pourri, à part graphiquement. Du coup, on peut pas vraiment se plaindre en fait. C'est gratos, bordel! Ah, par contre, là. Mm-mm. Mais putain! Oh là là, mais il faut plus d'endu, c'est pas possible. Ok. Je n'ai plus de popo, ça y est. C'est officiel. Ça fait mal, hein? Vu le design, je crois que c'était dans la série de d'Ego. C'est vrai qu'on dirait un peu ça. Oh, je peux pas... Ah, je peux pas. Ok. C'est quoi ça? Je dis d'accord, ok. Là là! Oh! Un boss! J'ai pas prévu ça. J'ai pas prévu surtout sans popo. Et où ça life? Aïe. Aïe. Aïe, heureux, aïe. Putain! C'est pas un beau boss, je pense, c'est un mini boss, ça, à mon avis. Sans popo. LOL! Est-ce que je peux courir très vite pour aller sur le boss direct? Tu vas, Lolo, ça marche, ouais, c'est bonne nuit. Mais pour ça, il faudrait que je me chope les popos, en fait. Ça c'est chiant par contre, si on doit aller se choper les popos à chaque fois, ça je vais pas aimer ça.
J'aime pas les jeux où on n'a pas les popos quand on revit. Ah oui, je peux pas le... Ok. Sympa ce DLC de la Outer Wilds et vivement au Wind, lol. Oh, on peut récupérer donc. Okay. Ah mais... Okay, on va éviter de faire le pignouf. Arrête! Maston! Maston! Ah, puis il y a la route qui arrive en fait! Et il a plusieurs lives? Ok, d'accord. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Non, non. Bon. Ouais, je suis pas ultra fan. Hein. Je suis pas ultra fan de la maniabilité en fait. Vraiment pas. Vraiment pas. Non, et puis je vais devoir buter les mobs avant parce que sinon ça va pas le faire. C'est dommage que les graphismes sont cool. Pas me lâcher là. Non, ils veulent pas me lâcher à part moi. Si c'est bon. Ok. Shit. Oh yes, ça on récupère la life, ok. Ça c'est bien ça. C'est vrai qu'il faut que je bloque aussi. J'aime pas le bloc sur la touche Y. Merde, pourquoi je fais ça? Ah bah oui, super. Oh non. Le bloc sur la touche Y. Bloc, bloc. Super, laisse-moi.
Ah, parce que du coup, on est obligé de repasser... Ah, putain, j'imagine quand ça va être chiant. Sur certains levels où il faut repasser par tous les endroits pour optimiser les popos avant d'aller sur le boss. Waouh. Ok, je suis vachement déçu, en fait. Vachement déçu. C'est pas nul, hein. Pas génial. Si je récupère pas de la vie à la Bloodborne, en fait, on voit la vie qui me retient. Je vais essayer de parer aussi. J'aimerais bien que ça soit sur une autre touche, en fait. Pas changer les touches? Non. Ok. Inventaire. Ah ok. Ok. Je pourrais aussi aller banquer mes âmes, en fait, du coup, vu que je les ai là. J'aurais dû les récupérer au bout d'un moment, en fait. Ça le stun, en fait. C'est pas mal. Ça me bouffe toute mon ordure. Hein. Ah! Ah non, ça l'a pas stun là. Fuck. Ouais, non, ça le stun pas après ça, en fait. Ok, j'ai rien dit. Barre-toi. En plus, il est statique quand il boit. Hein. Ah yes, yes. Est-ce que ça va me tuer? Non, 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 non. Ok, cool. Temple Sentinel defeated. Oh, j'ai eu 2000 trucs d'un coup là. 3 cases rouges du boss, c'est sa barre de vie. Ouais, c'est 3 fois sa barre de vie. Ah, la furie, en fait, il y a 3 petites cases rouges et... Ouais, c'est ça, il a 3 barres de vie, en fait. Greetings, awake walker. Awake walker, there is much to be done. Bonjour, Awake Walker. Il y a bien des choses à faire. The cycle of sleep have been disrupted and deprived of rest. Your immortals wander without reasons. Reason. Les cycles du sommeil ont été dérangés et les cycles doivent être restaurés. Et pour ça, je vous ai réveillé. Vous êtes le dernier immortel. Et vous avez et en défonçant la sentinelle, vous au moins vous avez prouvé que vous étiez capable. The Great Fortress, dans la grande forteresse au nord, nos gouvernants font la loi là-bas. Bref, il faut que tu ailles là-bas. Vas-y, c'est ton chemin est à toi. C'est à toi, c'est ton chemin à toi. Nom de Dieu. Vas-y maintenant. Voilà, super. Donc en fait, l'histoire, elle sert à rien. Mais c'est souvent comme ça. Il y a les grands méchants, on doit tuer les grands méchants. Nous sommes l'élu. Voilà! Activate.
Non. Si. Je sais pas si je veux aller là. Et la princesse, alors, bah, elle va venir après, peut-être. C'est pas un peu dangereux ce que je suis en train de faire, là. Si. Je m'en vais. Tu vas pas me donner un bonfire, là, s'il te plaît? En fait, ça m'arrangerait vachement. Sérieux? Ouf. Parler. C'est l'archiviste gelé. Oh, s'il vous plaît, partez pas, il fait si froid et la ville est si calme. Won't you stay and chat a while? C'est ce qu'ils disent dans Diablo. Est-ce que tu veux pas rester un peu et discuter? Je suis un archiviste, un des archivistes du sud, naturellement, mais je me suis réveillé ici dans cette cryopode cassée. Vous êtes la première personne que j'ai vue depuis des âges, depuis des longtemps. Vous savez pas où tout le monde est parti? Ah, ce silence terrible me fait craindre le pire. Est-ce que vous allez pouvoir vous rendre aux archives et vous assurer qu'elles sont intactes, s'il vous plaît? Merci. Je veux pas les archives, je m'en fous, je veux un bonfire. Bonfire. Oh putain, mais c'est quoi ces trucs qui... Oh là là, non. Bah là non, je peux pas y aller, hein. Il y a des lasers. Oh oh. Shit. Non. Je ne veux pas aller par là. Je ne veux pas aller par là. Vous avez vu, il y a des symboles sur les tombes. Genre CJ arcanoïde. CJ 140. CJ quelqu'un qui a essayé de faire un cube. Un parallépipède rectangle. En trois dimensions, mais qui est mort avant. Ok, je m'en vais. Il n'y a pas de bonfire ici, c'est nul. Par contre, il y avait un faux boss. Ou un gros mob. Je ne sais pas. Ah, la zone est verrouillée, c'est marqué. Very good. D'accord. Faut que je revienne en arrière pour avoir un boss, c'est ça? Pour avoir un bonfire, pardon. C'est ça que tu es en train de me dire, le jeu? C'est pas un peu vilain de ta part? Franchement. Oh, c'est ouvert, ça. Serait-ce un bonfire? Hyper chemical field auto-injector that overcharges the user's stamina at cost. C'est apparemment une popo qui rend de l'endurance. Si j'ai bien compris. Mais pour un coup. Coup, je ne sais pas de quoi. Bam 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 bam. Oh bah, c'est loupé. Parce que je vais aller banquer ça quand même, ça serait dommage de tout perdre, hein? Princesse ou pas princesse, je veux dire. Oh putain, si tu me fais tomber, toi, je te tue! Enfin, après, en revenant, après. Merde, j'ai plus de popo? Ok, j'ai plus de popo en fait. Ah, Wimboé, Wimboé. Level up! Alors, vous savez quoi? Ce jeu, ça va être... Endurance. Bon, est-ce qu'avant, on regarderait pas s'il n'y a pas autre chose, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Est-ce qu'on regarderait pas avant s'il n'y a pas autre chose? Change item, ça fait quoi? C'est ça. Change weapon, ça fait ça. Ah, ok. On n'a pas le choix en fait. Ok, on va monter ça à 10. On va mettre 10 en... Ça sert à quoi l'agilité et la force? On sait pas à quoi ça sert en plus. Ok, on va mettre... à 8, comme ça.
Et puis après, on va monter un peu l'agilité, du coup. Ah non. J'ai 140, ok, j'ai rien dit. Ouais, mais alors, je suis pas d'accord, en fait. Je veux plus d'endu. Tac. Voilà. Faire mal, c'est bien, mais continuer à dodge, c'est mieux. On en est... il est quelle heure, là? Ok. On a commencé à quelle heure? Bon, c'est tard. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis sur le jeu, là. Est-ce que ça suffit, ou est-ce qu'il faut lui donner plus de temps? Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat, là? Votre avis, c'est quoi? Si la communauté était plus importante, je ferais à chaque fois des sondages pour savoir ce que les gens en pensent. T'aimes bien comme apéro? Moi, je sais pas. Ça aide vachement, Avia. Ça aide autant qu'un steak. Comme le Kiri, quoi. Ah, le jeu est cool, mais j'en mangerai pas 5 heures. Ouais, voilà. moi, le problème, c'est que c'est vraiment la maniabilité, quoi. Enfin, maniabilité, c'est vrai que c'est... J'ai l'impression de jouer à une brique, en fait. J'ai l'impression de jouer à un cube, ouais. Tiens, est-ce qu'il va respawn le truc? Je suis curieux. On va courir d'ailleurs. Ah non, il a pas respawn, c'est bien. Je suis fier de toi. Donc maintenant, on peut se pointer vers l'autre truc, vers chelou là. Puisque là, le chemin est verrouillé, il faut forcément monter là. Une brique au thon. Ah, disons qu'après avoir fait... des jeux comme même Fall of Light par exemple, qui était pas forcément le meilleur jeu du monde, il était plus maniable que ça, quoi. Ouais. Après, enfin voilà, à côté d'un Dark Souls, non, là je, là c'est, oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette connerie? Waouh. Oh putain, ça fait mal! Soigne-toi vite! Mais merde, mais ça fait plus mal que mal, en fait. Oh, on se calme, là. Comment... C'est un boss, en fait. C'est un autre boss. C'est quoi, c'est un... Je voulais un jeu avec plein de boss, et c'est un jeu avec plein de boss, c'est ça? Non, je suis revenu. Oh merde, oh là là. Sérieux? Le truc, il est redevenu full life, pareil. Même pas, en fait. Ah non. Oh! Mais je peux plus taper! J'ai plus d'endu! Ah, mais c'est pas gérable. Je sais pas, ouais, ça pique, mais le problème, c'est que c'est pas que ça fasse que piquer, c'est que pour revenir, ça va être chiant. Y a pas de bonfire ici, sérieux? Ouah, je peux peut-être aller là. Ah, y a peut-être autre chose de mieux là. Ah bah non, c'est les lasers. Ah bah si, en fait. T'es qui, toi? Oh, t'as pas l'air commode non plus. Aïe! J'en ai plus! Non! C'est pas facile, hein. Ça aussi. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, c'est peut-être autre part qu'il faut y aller. Il faut peut-être aller ailleurs, en fait. Peut-être aller ailleurs, je vais regarder.
peut-être que... Peut-être qu'il faut aller ailleurs. Du-du-du-du-du-du-du. Dash into enemies with low stamina. Ah bon? Ah, oh là là! J'avais pas fini le tutoriel. Et ça les stun en fait. Ça les stun en fait. C'est cool, attendez. Attendez, Oh les boules! J'ai oublié de dire bon week-end. Merci! Ouais, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de stream. Hein. Il n'y a pas de stream ce week-end. Hein. C'est le dernier stream avant lundi. Peut-être dimanche soir, tard, hein, si je suis rentré. Pas mal! C'est un peu comme une pa. Enfin, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? On peut pas lui parler en fait, ça fait rien. Ok. Après, faut voir comment ça se fait bien sur les boss en fait, ce truc là. N'est-ce pas? Whoops. Whoopsies! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Effectivement le bon moment pour un berserk. Ok. Ok, il stun le temps que son ordure remonte en fait. C'est pas mal ça. C'est pas mal comme principe, ça j'aime bien par contre. Si la maniabilité n'était pas si pourrie. Bah j'aimerais bien.
Mais la maniabilité est vraiment à chier. Alors si j'ai petite mage de flight sim de 40G à la vitesse de 1h, 2h. Qu'est-ce qui m'a... J'ai vu quelqu'un dire qu'il avait acheté, qu'il avait chopé, installé Flight Simulator et que ça lui a pris des années et qu'il lance le jeu et là, paf, il y a 40G de patch, il était dégoûté. Je sais plus qui a dit ça. C'est pas toi, viens, c'est sur Discord, je sais même plus. On va les faire tomber en fait. Ok. Et c'est l'installation de base, ça se lance et remage. Ouais, c'était bientôt, ok, d'accord. C'est fou, hein. En même temps, vu le jeu, ça m'étonne pas, quoi. Je suis obligé d'aller là-haut. Ah, c'est pas moi, mais c'est pour tout ça. Ok, d'accord. Ah, je sais plus qui a dit ça. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre chemin en fait avant ça là ? Est-ce qu'on pouvait pas aller genre par là, là ? Non. Ok. On peut pas aller regarder les tombes. Bref, comment sont les pistaches, les chips ? Où ça ? Quoi, tu dis quoi ? Hein ? Est-ce qu'on peut peut-être aller par là, là ? Hein ? Oh. Ami ou ennemi? Ami. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Ces cycles là, tes cycles là, ils vont me rendre malade. Ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça te... Quoi? Est-ce que ça te rend pas en colère pourtant? Je suppose que ces coquilles vides sont même plus capables de colère de toute façon. Laisse-moi! Reviens-moi! Enfin, si tu reviens, je te défonce la gueule! Enfin, je vais t'exploser en des milliers de pièces, mais. De morceaux. Mais c'est pareil. Défonce la gueule. Ok. Comme pour l'apéro. Ok. Voilà, un bonfire, ça non? Yes. Level up. Level up. Tiens, on va mettre plus en force cette fois. Je suis à 23 Go. Ah ben, je mets le download, lui, c'est 40 Go. Bien sûr, 30 minutes de décompression. Ouais, mais t'as la fibre, donc j'imagine que c'est ça va. Ça doit mettre plus de temps à décompresser qu'à download, en fait. Oh là là, c'est quoi, ça? Ah ouais. Je pensais que c'était une mine, mais je pensais que j'aurais pu me barrer aussi, en fait. Oh là là! Oh là là! An invader from beyond the stars. Un envahisseur d'au-delà des étoiles. De par-delà les étoiles. Ulysse revient. Aïe. Reviens parmi les tiens. Ok. Et là ça va faire mal aussi. On dirait, je pense. C'est bon là. Aïe. Non, c'est... Que n'a-t-il pas moment de personne. Ah ok, d'accord. Moi ouais, c'est ballot. Mais alors comment je fais? Bah je fais pas en fait. C'est ça, hein. Je peux pas y aller, quoi. Ok. Le jeu ultra compressé, avant c'était 150 Go à télécharger. Ah. Ouais, mais là c'est la mise à jour qui fait 40 Go.
C'est pas le jeu entier, Koima. Ça reste hardcore hein, pour moi. Ok, donc je me suis bind ici, j'imagine. Rest. C'est pas peu l'installation, j'étais à 5, Day 1, j'ai mis une semaine, il y avait tout le monde à fond sur un serveur. Ouais. J'ai envie de lui reparler, tiens, il a dit qu'il fallait pas lui reparler, sinon il disait... Ah ! Ah. Oh, il a récupéré son endu! Ah la pute! Ah la pute, j'ai pas de popo en fait. Je pensais qu'il allait, je pensais qu'il allait le faire, mais je pensais qu'il allait lui donner une autre. Une autre chance en fait. J'ai pas de popo donc. Ça risque d'être compliqué hein. J'espère qu'il va pas être revénère, il va falloir que je lui reparle pour qu'il soit vénère. Si j'avais des pop... Franchement, ça... Ah ouais, direct il est aggro en fait. Heureusement qu'il regarde de l'autre côté. Franchement, le fait de ne pas avoir les popos de base, ça m'énerve. Le fait de... Voilà. C'est à la Bloodborne un petit peu quoi. Commence un run et t'as pas de popo... Enfin Bloodborne c'est moins pire limite. Là, faut aller chercher les popos, quoi. Ah, le truc disparaît de temps en temps, ok. Compris. Oh! Elite guard of the prison, effective at fighting at any range. Garde d'élite de la prison, efficace pour combattre à n'importe quelle distance. Donc là, je peux pas passer en fait. Et il ne fait rien en fait. Enfin, je peux juste rebaser là parce qu'il y a, les deux barreaux qui déconnent quoi. Ouais, mais là, tu as la popo. J'ai la popo. J'avais la popo. C'est vrai. Moi, je sais pas trop quoi faire du coup parce que. On pourra retourner là-dessus là, mais. Ouais, je peux même pas. Oh là là. Tiens, est-ce que je peux bloquer ça? Le truc là. Non. Ouais, bah non, non, je... Non, 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 je vais faire un dernier run. Pour le LOLs, on va essayer de se faire le mec à la con là. Mais sur Horizon Zero Dawn, je trouve pas comment mettre la lance en main avec le clavier. Je sais pas t'en faire un mode. Après, ouais, s'il est plus à l'aise avec le clavier, s'il faut viser, à mon avis, c'est mieux au clavier souris quoi. Thank you.
Putain, le con! Ah, ça me vire mon endu, la glace. Ok. Il va récupérer son carré de vie, là, en fait, c'est ça? Aïe. Compliqué quand même. Oh le con. Ah c'est quand il... Le tir à l'arc c'est ardu, j'avais pas. Ouais. Moi je vais peut-être pas pouvoir y jouer sur je l'ai sur PS4, en fait, je l'ai pas sur PC. Je vais peut-être pas pouvoir y jouer du coup. Mais bon. Bon allez, ça suffit. Non, je suis déçu. Je m'attendais à plus chouette, mais bon. À plus. Plus maniable en fait. Ouais, on va changer de jeu. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était Telkino avec la découverte de Immortal Planet. Merci beaucoup. À la prochaine.